quand on m'a dit que j'allais faire l'étude de la solubilité et de la diffusion de l'hydrogène en surface et subsurface du nickel monocristallin par approche numérique et expérimentale, je vous rassure, moi aussi, ça m'a vite calmée. J'ai mis presque 2 ans à comprendre ce que ça voulait vraiment dire. Mais bon, je vais vous aider en fait, il y a 3 mots à retenir. L'hydrogène, la diffusion et la surface. Et moi, je m'intéresse à la rencontre entre un atome, l'hydrogène, et un métal, le nickel. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un métal c'est plutôt malléable, hein, c'est comme du caramel mou. Mais en présence d'hydrogène, son comportement change. Il devient croquant, cassant, comme un caramel dur. Vous voyez le problème ? Non, c'est pas que je dois avoir un bon dentiste, non. Non, c'est qu'un métal que l'on choisit pour ses propriétés de caramel mou, comme le nickel, finit avec le temps avec des propriétés de caramel dur. Et là, un choc un peu trop violent et ça casse. Ouais, mais l'hydrogène, c'est l'élément le plus abondant. L'univers, alors pas le choix, faut qu'on fasse avec. Du coup, on s'est posé la question que vous vous posez tous maintenant. Mais comment l'hydrogène rentre dans le nickel ? Et là, vous vous dites, facile, il suffit de regarder. Mais non, pas de chance. C'est aussi l'élément le plus petit. On ne peut pas le voir. Mais c'est justement sa petite taille qui lui permet de s'insérer parmi les gros atomes de nickel et de se frayer un chemin parmi eux. C'est ça, la diffusion. Alors du coup, pour répondre à cette question essentielle, moi, j'ai 2 outils. Le premier, un supercalculateur. L'avantage, c'est qu'un métal, c'est plutôt bien ordonné. Alors c'est facile pour moi de lui indiquer la position des atomes. Et lui va me dire l'énergie dont a besoin l'hydrogène pour sauter d'une position à l'autre dans le métal. Plus l'énergie à franchir sera grande, plus ce sera difficile, et plus la diffusion sera lente. Logique. Mon deuxième outil, une batterie d'expérience. Je plonge mes échantillons nickel dans une solution très acide, avec beaucoup d'hydrogène. Et en les motivant avec un courant électrique, c'est comme ça que je les fais rentrer à la surface. Je joue alors sur la durée d'émission du courant pour faire aller l'hydrogène de plus en plus loin dans le métal. Et dès que j'arrête de le motiver, l'hydrogène ressort spontanément. Et c'est là que je vais pouvoir enregistrer la légère trace électrique de son passage, qui me dira à quelle vitesse il est rentré. Alors maintenant, pour comprendre les mécanismes en jeu dans cette rencontre, je dois comparer les résultats expérimentaux avec les résultats théoriques du supercalculateur. Mais c'est pas si simple, parce que je cherche à expliquer des phénomènes microscopiques avec des informations théoriques obtenues à une échelle 10 000 fois plus petite. Alors, vous aurez compris, cette partie me donne des insomnies, même que maintenant, la nuit, je me prends pour un caramel mou qui franchit des barrières dites. Mince, c'est l'inverse. Non, je suis un caramel dur. Mince. Non, enfin, vous m'avez comprise, non ? Thank you.